hangen in de karunechna. Je suis Kan Diallo, artiste chanteur. Je suis le fils de Feu Mbassounia, ancien ménager de Babamal. Voilà, je suis né ici au Parcelle, entre Parcelle et Castor, grandi entre Parcelle et Castor. J'ai commencé la musique en 2010. Et je l'ai débuté avec mon frère, un ami, Seyouba. Étant fils d'un artiste musicien, je suis devenu artiste naturellement, je suis devenu chanteur naturellement, donc voilà. Ah mais bien sûr, c'est mon père, c'est très normal. Mbassounia m'a beaucoup influencé, mais aussi il y a son frère. Mon papa Babamal aussi m'a beaucoup influencé. Il y a d'autres artistes aussi qui m'ont influencé, quoi. Comme Chomsek, Lucindo, Ismaël Lo, Omar Ten. Babamal, comme je le dis partout, lui c'est un idole, c'est un père aussi. Mon père il est décédé en 2011. Donc, et qu'il était son ami, je peux même dire meilleur ami. Mon autre papa, il est tout pour moi. Il y a certains qui me reprochent que je suis un bon chanteur de l'amour, quoi. Mais bon, c'est normal. À chaque fois, un artiste, il faut qu'on le qualifie de quelque chose, quoi. C'est grâce à Dieu que Fonma a fait un tabac, parce que c'est un truc qui est venu naturellement, l'inspiration est naturelle et je travaille avec des personnes qui sont, mashallah, très techniques. Mais c'est exactement ça, parce que ça t'aide beaucoup hein, sur les inspirations, sur beaucoup de choses, sur les arrangements, quelque chose comme ça. Pour moi, un musicien, il doit au moins jouer un instrument. Pas mal, juste que bon, il faut qu'on travaille encore plus, parce que vraiment en toute franchise ça reste beaucoup. Le mbalax c'est très important, et parce que c'est notre musique traditionnelle et tout, mais il faut qu'il y ait quelque chose dedans, quoi. Il faut pas carrément se baser sur l'afrobeat. Et je pense que pour faire de l'afrobeat, il faut qu'il y ait aussi, il faut avoir la base aussi. La base c'est quoi? La base c'est il faut être un bon musicien aussi. Sinon après tu vas tromper ton public. Parce que bon, il faut pas être aussi un produit studio. Ça me fait peur, hein. Sincèrement, la créativité, ça, c'est autre chose. Aussi, ça nous fait peur, tu vois. Donc, tout à l'heure, je vous disais que vraiment, on a envie de voir comment on peut vendre notre album, parce que c'est notre seul souci. Sincèrement, c'est très difficile. Ouais, mais bon, puisqu'on est jeune, je suis très jeune. Pour moi, je peux faire les deux choses à la fois, c'est bien possible. Ouais, ça ne me dérange pas. On n'a pas le choix, on est des jeunes et on veut être au sommet. Donc il faut qu'il y ait un chemin très dur aussi. Nare na wo ya yeah.